En ce jour de l'Assomption, prions Marie pour ces nombreuses mères de famille qui ont une vie difficile, nous dit le père Philippe Goupille. Ce mardi 15 août, nous célébrons l'Assomption, c'est la montée au ciel de la Vierge Marie. Cet épisode de la Bible relate le moment où Marie termine sa vie terrestre, puis s'élève aux côtés de Dieu. C'est une grande fête pour les catholiques, précise le père Philippe Goupille. D'ailleurs, ils sont nombreux ceux qui se rendront à la messe en ce jour spécial. Puis, comme le veut la tradition, les tables seront bien garnies et le partage du symbolique et bien mauricien gâteau Marie sera très attendu. En effet, les catholiques commémorent aujourd'hui la montée au ciel de la Vierge Marie, nous rappelle le père Philippe Goupille. Le curé de l'église Notre-Dame des Anges explique que Marie a porté le Fils de Dieu en son sein. En ce jour, le prêtre invite les mauriciens à prier pour ces nombreuses mères de famille qui font face à une vie difficile. Bien, c'est important, je crois, que nous rappelions aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mères de famille dans notre pays pour une vie très difficile. Elles travaillent, elles doivent aussi s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants. Et avec le travail, ça devient difficile. Donc nous prions Marie spécialement pour les mères de famille, afin qu'elles puissent avoir le courage d'éduquer leurs enfants. Car c'est à travers elles que bien souvent la foi se communique, c'est à travers elles que les enfants apprennent des valeurs. Nous prions spécialement pour les mères de famille pour ce beau jour de l'Assomption. En ce jour, de nombreux fidèles se rendront à la messe et certains prendront le temps de s'arrêter devant une grotte pour demander à Marie d'intercéder pour eux et aussi pour allumer des bougies. Pour Joël, une grotte est un lieu de prière, de dévotion, d'invocation à la Vierge Marie et de contemplation. Pour la Vierge, nous bien content, la grotte, là, moi, elle mène la bougie là-bas. Oui, parce que nous comptons prier Marie. La fête de l'Assomption, c'est aussi des moments en famille. Les tables seront garnies et le traditionnel gâteau Marie sera certainement présent. Certaines familles ont choisi le traditionnel gâteau Marie, c'est-à-dire pâte de mariée garnie de crème, mais beaucoup se sont tournés vers la modernité. Ornella Montagne-Longue, la directrice de Nella Vibes and Bake, nous explique qu'elle a mené un sondage auprès de ses clients sur sa page Instagram pour répondre à leurs attentes. Finalement, ce sont les gâteaux aux saveurs Blue Velvet Cream Cheese et pâte d'amande ganache et chocolat blanc qui ont volé la vedette. Cette pâtissière de Trangbar en a ainsi préparé un bon nombre pour l'Assomption. Et dans ce jour, nous avons une tradition, gâteau Marie, vive Marie, et dans qui sont dans l'évolution, ça dépend que moi, ma saveur qui me proposer cette année, c'est le public qui me choisit. De ma part, j'ai fait un sondage. Quelle saveur qui trouve idéale pour gâteau Marie, mais tu mets 4 flavors et c'est le Blue Velvet Cream Cheese et pâte d'amande ganache chocolat blanc. Il y a beaucoup de monde qui est content dans le plastique, mais un petit peu revisité à ma façon, à moi. En ce 15 août, toute l'équipe de Top FM vous souhaite une bonne fête de l'Assomption.